Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes samedi et j'ai prévu d'aller chez ma maman manger ce midi. Je vous en ai parlé si vous me suivez, que je voulais faire, c'était vraiment pour l'embêter, faire genre un dîner presque parfait, j'allais la noter en pré-plat dessert. Je lui mets pas de pression, hein, mais voilà, donc on va faire ça ce midi. Ma veste, elle est nouvelle et je vous en parle après. Ah, ça sonne. Je ne vous ai pas repris, c'était le facteur. Et maintenant, il est l'heure que j'y aille en fait, parce qu'il est midi 20 et je lui avais dit midi et demi. Je suis arrivée chez ma maman, ça sent très très bon. Et j'ai juste aperçu la table, elle n'a pas fait son... Surtout que je ne lui ai pas redit que c'était le challenge pour lui mettre la pression. T'as fait un bel effort, maman. Alors, non, elle est mignonne ta table là, t'as assuré. Et vous n'avez pas l'odeur, franchement, ça sent très très bon. Il y a un plat avec de la crème, il y a quelque chose. Ça sent le champignon qui mijote. Oui, cette veste, hier je suis allée, donc si vous me suivez, j'en ai parlé sur Insta. Je voulais manger des chocos avec du. Le truc rien à voir avec du lait chaud. Donc je pars pour ça et je m'arrête devant chez Camailleux. Et je vois ça sur un mannequin, donc elle est un peu longue, je vous montrerai vraiment de plein pied. Je rentre dans la boutique, donc truc pas prévu. Et je l'essaie, je la trouve super sympa. Je tombe sur une autre veste que j'aime beaucoup et sur un jean. Résultat, je suis repartie avec les trois fringues, le lait, qui se marie bien avec, je trouve. Regardez, hop, elle arrive en dessous des fesses. Waouh, c'est des... comment ça s'appelle? Des tuiles au parmesan, c'est ça? Oui. Dis-moi. Et moi, j'ai déjà goûté une autre fois, c'est excellent. Vas-y, raconte l'histoire de ta verrine. Verrine, mais ce sont des courgettes. Une courgette, crème et vache qui rit. Tu dis ça comme c'est évident, mais moi, oui. Je sais pas. Et tu sais que l'ambiance et la façon dont on est accueilli est notée aussi, parce que là, tu as baissé d'un ton quand même. excuse-moi, mais... Petite verrine. Ah, c'est mieux. Pas et franchement, j'adore. Crevette. Tout en fraîcheur. Si vous vous souvenez, je lui avais quand même dit, si tu m'aimes, tu sauras quoi me faire. Là, t'as marqué des points. C'est super bon. Alors, poulet, pommes de terre, elles ont l'air fondantes et tout. C'est ça qui sentait si bon. Pas mal, pas mal, pas mal. Vraiment, ça a l'air très bon. C'est ma maman. Bon, il y a longtemps. Mais si, on se ressemble. Hein. Il y a quelque chose, hein, maman. Donc oui, c'est le moment où on fait les... Après, je passe au confessionnal pour noter, hein. Elle est belle, c'était où ça, en Tunisie? Elle est belle cette photo. Et je vous reprends d'une des chambres pour la note. Je pense qu'elle elle le verra juste en voyant le vlog. Alors l'entrée, ça a été mon coup de cœur. C'était excellent. Même si j'ai dit, voilà, le goût des crevettes et tout, mais franchement trop bon. Je mets 18 sur 20. Le plat, les patates excellentes, croustillantes à l'intérieur, fondantes, je mets 16 sur 20. Le dessert, ce n'est pas un dessert, même si c'était très très bon les gâteaux, c'était pas un dessert maison. Non, non, non. Mais comme c'était très bon, je mets 15 sur 20. Voilà. Et l'ambiance générale, vous ne l'avez pas vue, mais on s'est bien marré. On a fait un retour dans le passé avec les photos. C'était un très bon moment, donc je lui mets 18 sur 20 pour l'ambiance. Voilà. Et pour l'heure, je m'en vais. Je vais aller, comme je vous ai dit, chez Intersport pour mes baskets, voir ce qui est possible de faire. Et également chez Jiffy parce que, vous savez, mon haul, eh bien, notamment, j'ai voulu regarder le thermomètre. La boîte était vide, c'est-à-dire que je l'ai acheté et quelqu'un avait dû servir avant. Donc je vais voir. J'ai tout, voir si je peux en avoir un autre. Voilà pour le programme de cet après-midi. Je suis dans le jardin là. Et en fait, j'avais oublié de vous dire, pour Halloween, j'ai un projet. J'ai dans l'idée d'incarner un personnage. Ça peut être un personnage de série, un personnage de film, une star, bref. Mais pas forcément à connotation fantastique qui fasse peur. C'est pas mon truc, je sais pas faire plus que ça. Et je veux que ce soit vous, en fait, qui me soumettiez un personnage dans les commentaires. En fonction de ça, je choisirai. Et c'est vrai que je vous le dis maintenant parce que ça prend du temps. Si vraiment, il faut que je me transforme et voilà, pour travailler mon personnage. Voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu comme projet pour Halloween. Et je voulais vous faire quand même un truc, donc ça sera ça. On est en train de faire des essayages, savoir ce qu'on garde et tout. Je l'aime bien ce chapeau, hein. T'en penses quoi? Non, il ne va pas? Si. Bon, c'est vrai que je ne le mettrai peut-être pas. Non. Bon, ben voilà, rentrée. Chez Intersport, ils ont été super. Vraiment, plus elle se rappelait de moi. Donc, j'ai eu un avoir parce que je suis allée dans la boutique, voir quand même s'il n'y avait pas un modèle. Parce que je n'ai pas souhaité reprendre les mêmes au final. Non, je pense que c'est le modèle aussi qui sert comme ça et juste devant. J'étais pas vraiment à l'aise dedans et je pense que même si j'avais pris en 37, en 27, ça ne l'aurait pas fait.
Donc j'ai fait un tour rapidement, mais comme je vous dis, j'étais pas toute seule, donc j'aime bien prendre le temps. J'ai mon avoir de 90 euros, et bah la semaine prochaine j'irai, et si c'est pas des chaussures, bah je peux me prendre une fringue, ils ont vraiment des trucs sympas. Après on est allé chez Kirby. Ah si, je me suis pris un petit haut à 15 euros, tellement joli, attendez je vais le chercher. C'est un petit haut avec le col montant, même si j'aime pas, d'habitude ça me gêne le col montant. Je ne l'ai pas essayé, mais je vais l'essayer tout de suite. J'aime beaucoup. J'hésitais avec le XS, non c'est parfait. Bon évidemment, hein, il faut, là j'ai un soutien-gorge blanc, mais tu mets un truc différent. Adorable, je suis très contente, la matière est douce. Je crois que c'est la nouvelle collection, donc si ça vous dit, il y a de grandes chances que vous puissiez l'avoir. Pour Kiabi, c'est tout. Et surtout, ça fait un moment, parce que vous savez, je lisse mes cheveux, mais comme une tarée tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que bah, j'aime pas cette longueur. Je les ai coupés pour les réparer, mais là je suis en train de les flinguer de nouveau, donc il me fallait, vous savez, là les produits pour thermo, pour quand on utilise les plaques. J'ai pris ça, Kérastase 3870, et j'adore parce qu'elle dit, ah oui, oui, bah vous, avec votre nature, genre de cheveux pourris, tout abîmé, bah, elle n'a pas tort, c'est ça qu'il faut. Donc ça va venir vraiment double soin, récréateur de fibres neuves, c'est-à-dire que ça va me raviver les cheveux, cheveux extrêmement abîmés, longueur et pointe extrêmement abîmées, on est pas mal. Donc je vais faire cette cure, et puis on verra bien si mes cheveux sont beaucoup plus jolis. Et regardez, j'ai récupéré, c'est ce que j'avais fabriqué pour le calendrier de l'Avent, avec les petites pinces, j'avais mis les rubans, c'est super joli. Et à chaque fois, je mets des indices par rapport au jour et tout, parce que je vais commencer à le faire avec les petits cadeaux, j'adore. J'ai mis la tenue bah cool, parce que je pense pas qu'on sorte, même si à un moment, je m'étais dit, tiens, on irait bien manger quelque part, on a un nouveau, un pakistanais indien, j'adore cette nourriture, mais bon, même c'est un peu épicé. Donc j'hésitais, mais bon, je pense pas qu'on sorte. Rien à voir, je viens de voir une bande-annonce, ça s'appelle Scandale. Canon. Avec Nicole Kidman, que je reconnais pas, hein, je crois qu'elle s'est fait lifter, botox et tout ce que vous voulez, elle fait bouffi, bref, je la reconnais pas. Charlize Theron, pareil, je la reconnais pas trop, je pense pas qu'elle se soit fait quoi que ce soit, je pense pas. Et Margot Robbie. La bande-annonce, mais elle donne tellement envie, apparemment, c'est même inspiré de faits réels. J'ai hâte, je crois, ouais, ça sort le 22 janvier, donc on a le temps. Ouais, ça me dit pas ce que je vais manger, comme d'hab. J'avais envie de manger un truc bien sympa, t'as une idée? Non. Non? Même pas une petite idée? Non. Rien du tout, du tout, du tout? Non. Rien du tout, du tout? Non. D'accord. Vous avez vu? La garante, je l'ai mise là, c'est vraiment en attendant, parce que j'attends qu'Eric me mette... Je lui avais demandé le cadre, mais ça, c'est sûr, ça va aller autour de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais autour de quelque chose. Le perroquet, ce n'est pas sa place, hein. Je l'ai posé vraiment comme ça en attendant, hein. Évidemment, les deux ensemble, ça ne va pas. J'attends ma bibliothèque qui devrait pas tarder, je pense, d'ici une semaine, normalement. Et ouais, j'aime beaucoup cette guirlande, elle va être très très bien. Oui, je l'avais eu chez Jiffy, je ne sais pas si je vous avais dit. Allez, je descends. Fait nuit dans cette maison. Le 2 où son bébé, sa maman. Eric, il avait acheté ça, j'avais pas vu. Ça va être parfait pour un samedi soir. J'avais. Alors, il a pris quoi? Mozza, épinard, auberge. Et sa pizza crust. Ah ouais. Bœuf, sauce burger. Ça, c'est beaucoup plus pour lui. Bon, bah en plus, s'il en reste, ça sera pour mamie. Voilà. Comment? Tu as essayé de me parler, toi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah bon? Regardez, hop, vous me voyez. Ouais, je vais clôturer maintenant ce petit vlog. Et ouais, je pense qu'on va se retrouver demain. J'en peux plus de ces rides. Ça commence à me complexer. Je vais aller me mettre du botox, je crois. Je rigole, mais... Quand même. Bref. Je vous fais un gros bisou. Et puis... vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.